Bon, bah salut tout le monde, je suis Mikarob Gaming et bienvenue dans ce nouvel épisode de Heavy Rain. Dans le dernier épisode, nous avons contrôlé donc Shelby qui en fait j'ai loupé dans l'avant-dernier épisode d'essuyer le téléphone avec laquelle Lorraine a touché. Enfin, a téléphoné, je veux dire. Elle a touché ça, moi j'avais essuyé partout. Là, tout ce qu'on avait touché, sauf ce téléphone-là. J'ai pas pensé à faire ça. Donc, ce qui fait qu'on s'est retrouvé au poste pour expliquer pourquoi on était là. Ensuite, il y avait Ethan qui était à l'adresse indiquée dans un des origami où je devais tuer pour sauver Sean. Hein, une nouvelle épreuve, sauf que je l'ai pas fait. Hein, il avait deux gosses. Ils étaient pas là, mais il y avait une chambre et une photo. À moins qu'il ait mis ça en scène, je trouve ça un peu trop gros. Donc j'ai pas tué. Ensuite, on a Madison qui a été voir un mec, un gros taré qui a essayé de la tuer. Et on a réussi à se sauver. Enfin, en gros, à le tuer. Hein. On n'a pas vraiment le choix. Donc voilà. Et on se retrouve avec Jaden. Pour interroger quelqu'un, je pense. Neville a été soupçonné dans le vol de la voiture que je recherche. Ça vaut le coup de poser quelques questions. C'est vrai. Foutu pluie, je suis trempé jusqu'aux os. Je me sens pas très bien. J'ai des sueurs froides et mes mains tremblent. J'espère que ça va aller. Bon, on n'a pas pris le truc, donc normalement, ça pourrait un peu aller. Le tube de tryptocaïne, il est dans ma poche. On va pas le prendre. 24 heures. Il me reste moins de 24 heures pour retrouver Sean Mars en vie. On va essayer. Blake était pas au bureau quand je suis parti. Je crois qu'il ne manquera pas. Moi non plus. Une casse. Pratique pour trafiquer des voitures volées. Je devrais aller parler au type sur le bulldozer. À tout faire. Mad Jack. Le surnom de Jackson Neville. Ce type a un casier plutôt chargé. Je ferais bien d'être prudent. Foutu pluie. Pas sûr que je revienne dans le coin pour les vacances. Plutôt glauque comme endroit. J'interroge ce type et je me tire d'ici. Ok. Donc là-bas. Hein. Ça doit être lui, hein. Vous pouvez éteindre ce truc? J'ai entendu même pas le bruit. Il est plus baraque que sur la photo. Norman Jaden, FBI. Je peux vous parler une minute? Vous écoute. On va à l'intérieur. Attends qu'il prenne un peu d'avance pour être juste derrière lui pour savoir où il va. S'il tourne droite à gauche. Je cherche le propriétaire d'une Chevrolet Malibu 83 bleue. Je me fous de savoir comment cette voiture est arrivée ici. Ce que je veux, c'est le nom de celui qui l'a conduit. Désolé, ça ne dit rien du tout. C'est pas ce qu'on appelle une bonne mémoire. Je peux peut-être vous aider à vous rappeler. Si cette voiture appartient à celui que je cherche et qu'on découvre que c'est vous qui lui avez vendu, je vous jure que vous allez passer plusieurs années à l'abri de la pluie. J'ai pas vu votre bagnole, ok? Vos menaces à la con n'impressionnent pas. Maintenant, dégagez. Pas le choix. On va voir ce qui se passe ici. Ma seule piste, c'est cette Chevrolet bleue. Ok. Pas vraiment collaboratif, Mad Jack. Soit il est vraiment clean, soit il cache quelque chose. Ah, moi je dis qu'il cache quelque chose. Ce type m'inspire pas confiance. Moi non plus. Du sang. Pourquoi est-ce qu'il y a du sang ici?
Attends. Là. Les traces de sang mènent vers le bac d'acide. Il s'est débarrassé d'un corps. J'ai déjà vu. S'il parle pas, c'est que j'ai déjà vu, mais pourtant... Là. Les empreintes de Matt Jack. Rien d'étonnant, il crache ici. Ouais. Bon, faut quand même vérifier. Attends. Il y a des empreintes. Pointure 42. Probablement un visiteur. Attends. Pointure 45. Sûrement la pointure de Matt Jack. Là. Trace de pneu. C'est pas la voiture que je cherche. Et là ? La même marque de pneu que la voiture que je recherche. Là, ouais. Est-ce que la voiture du tueur est passée dans ce hangar ? Alors. S'il dit rien, c'est que j'ai déjà fait, mais pourtant j'ai avancé. Harry commentaire. Trace diffuse de pollen d'orchidée à l'intérieur du garage. Ok. Non. Ici. Des traces de peinture bleue. La même marque de pneu. Pas de doute. La voiture du tueur est passée ici. Voilà. Ah, mais s'il dit rien, ça veut dire que c'est pas, c'est les empreintes de Matt quelque chose là. On va tout fouiller. Non. Attends. Dans le coin là peut-être. La table. Non, pas. Non, il dit rien. C'est les empreintes du mec. Attends, avance. Non plus. Non. Ouais, tout de l'autre côté là. Là, attends. Il dit rien. Donc c'est pas celle-là. Bon, on sait de toute façon qu'elle était ici. Mais je regarde chaque indice, on sait jamais. Avance. Avance.
Chaque indice est important. Pas la bonne voiture non plus. Ok. Là, attends. Parce qu'on a les pneus, on a la voiture. Mais on n'a pas encore les empreintes. On a deux empreintes. Du 42, qu'on sait pas, un visiteur, donc soit peut-être le tueur. Et le 45, donc apparemment la taille de chaussure de Mad. Pas de la fille, mais de Mad, je sais plus comment déjà. Ouh, un crâne. Et il est à côté de moi. Derrière moi. Voilà. Un collègue à toi, il posait aussi trop de questions. Il a dérouillé, je me le suis fait au fer à souder. Allez, quittez. Mets tes mains sur la tête. T'as de la chance, j'ai pas le temps de m'amuser. Et devoir régler ça rapidement. Je crois que la première fois, je m'étais gouré dans les QTE. Et je crois que je suis mort là-dessus. Tu vises trop haut, gars, là. Allez. Je pense pas que j'avais réussi. Hein. Assez joué. Maintenant, tu vas me dire qui est l'homme à la voiture bleue. Va te faire foutre, Tokar. Hey, t'es complètement malade ou quoi? J'ai tué quelqu'un. J'ai pas arrivé. Si je te descends, il y aura légitime défense. J'ai comme l'impression que je vais commettre une bavure. Hey, arrête, ok, c'est bon. Déconne pas, mec. Reste cool, je vais te dire ce que tu veux savoir. Je sais rien sur ce type. Il voulait que je le débarrasse de sa caisse sans laisser de traces, et que je lui en trouve une nouvelle avec des fausses plaques. Il m'a payé cash. J'ai pas posé de questions. Je vais prévenir un certain Paco dans un club qui s'appelle le Blue Lagoon quand la caisse serait prête. C'est tout ce que je sais. On va aller parler de tout ça au poste. T'es en état d'arrestation. Tu as le droit de garder le silence. Allez, attention. Tout ce que... Nouveau... Ah, putain. Pas maintenant. Tout ce que tu diras pourra être retenu. Hey, on dirait que t'as un problème, mec. Ah putain, les QTE, il y en a des tas là. Eh, prends-le. Retournez-vous. C'est bon, j'ai réussi. J'ai dû prendre le produit. J'ai pas trop le choix là. J'ai réussi. Eh, bravo Jayden. Bon, même si c'est moi qui te contrôlais, mais bravo quand même. GG. Et on se retrouve avec Shelby et Lorraine. Vous pensez que c'est le tueur aux origami qui a tué l'antiquaire? Ça me semble plausible. Vous voulez sûrement l'empêcher de parler. Vous croyez que Gordy Kramer en est capable? Lui ou un de ses hommes de main? Gordy a le temps et les moyens. Et il a l'air suffisamment tordu pour faire ce genre de choses. J'en fais pas un coupable pour autant, mais... ça en fait au moins un suspect. Ce sont vos dossiers sur l'enquête? Oui, ça fait 2 ans que je suis sur cette affaire. J'ai amassé pas mal de paperasses. Des magazines sur les origamis. Vous pensez que le tueur a pu s'abonner à ce genre de revue? S'il s'est intéressé aux origamis ces 30 dernières années,
Son nom est sur cette liste. D'accord, c'est pas ici que je dois être. Son nom là-dedans. Alors, attendez. Vous êtes d'abord ainsi quelque chose. J'ai peur de faim. Vous avez quelque chose à manger? Oui, bah va regarder dans je le frigo. J'ai un cordon bleu et je peux vous faire des œufs brouillés si ça vous dit. Très bien. Je suis trempée, j'ai besoin de me réchauffer un peu. Ça vous embête si je prends une douche? Je vous en prie. La salle de bain est à côté de ma chambre. Je me sens partout. Je vais préparer les œufs pendant ce temps. Ok. Les œufs. Ah, j'ai cru qu'il allait prendre l'assiette, mais non. On casse. On tend bien. Hein. T'as allumé le gaz au moins? Ah non, il l'avait pas allumé. D'accord. Attends. On est à peine 10 mètres. Pauvre Manfred. On venait à peine de trinquer à nos retrouvailles. On peut pas dire que ça lui a rapporté bonheur. Non, c'est sûr. Il serait peut-être encore si j'avais pas quelques relations. Les œufs doivent être assez cuits maintenant. Wesh, 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 wesh. Hop, d'accord, d'un coup. La poêle est toute propre. Putain, faut que tu me dises où t'as acheté ta poêle. Et pile au moment où je termine les œufs, elle a terminé de prendre sa douche. Je me suis permis d'emprunter votre peignoir. Être comme chez vous. Hop, pardon. Est-ce que je peux vérifier quelque chose ici, non? Non, apparemment pas. Vous vous êtes débrouillé comme un chef, ça a l'air bon. Qu'est-ce que c'est? Le calepin que j'ai pris chez Manfred. D'après ce qui est écrit, une trentaine de clients auraient acheté des pièces détachées de Royal ces 10 dernières années. Le tueur est peut-être l'un d'eux. Vous savez, aller les voir un à un et vérifier leur emploi du temps, ça risque de prendre du temps. Oui, parce qu'on a plus que quelques heures. Si on arrivait à les recouper avec la liste. La liste des abonnés au magazine d'origami, vous l'avez toujours? Oui, mais attendez. J'ai fait des œufs pour rien? Je peux pas les manger? Ah, dommage. Si le tueur s'est bien servi d'une machine à écrire Royal et qu'il a été abonné à un magazine sur les origamis, son nom doit se trouver sur les deux listes. Enfin, Lorraine... Oui, en théorie, c'est possible. Ah, mais arrête d'aller ici. Tu restes là. Putain, son pas possible, nom est là, ça. Quelque part. Aidez-moi, on va vérifier. Oh là là. Que c'est dur. Donc ils ont un nom. Le seul suspect figurant sur les deux listes est mort à l'âge de 10 ans. Qu'est-ce que vous voulez faire? Sortir son cercueil pour voir s'il est bien mort? Je sais que ça n'a aucun sens. À moins que le tueur utilise son nom. Pourquoi utiliser le nom d'un gamin mort depuis 30 ans? C'est ce qu'on est venu découvrir. Son nom est John Shepard. Sa tombe doit être quelque part par là. Vous n'abandonnez jamais, hein? Ok. C'est bon? Bon. Alors, on cherche la tombe de John Shepard.
Je vais y mettre la main. Oui, bah il pleut, hein. Je suis déjà trempé jusqu'aux os. Plus vite on trouvera cette tombe, plus vite on pourra se tirer d'ici. Voilà qu'elle s'est mise en tête qu'elle était sur une piste. On est juste en train de perdre notre temps dans ce foutu cimetière. Cette fille est une vraie tête de mule. Impossible de la raisonner. Je devrais être en train d'enquêter sur Gordy Kramer et je me retrouve dans un cimetière sous la pluie à chercher la tombe d'un gamin mort depuis 30 ans. C'est un enfant décédé il y a une trentaine d'années. Les enfants. Je déteste les cimetières. Ces endroits me collent le bourdon. Donc elle enquête en attendant. En tout cas, on peut pas lui enlever une chose, cette fille est déterminée. Ok, bon, non, j'ai... Daryl Allen. Oh, Daryl... Non, c'est pas lui. Daryl Dixon, c'est pas lui. C'est Daryl Dixon, et là, c'est marqué Daryl Allen. On s'en fout, t'as des... Excusez-moi, je cherche... C'est pas grave, je vais me débrouiller. Attends. Non. Bon. Stanley Martin. Leslie Turner. Gay Nelson. Bill Jones. Excusez-moi. Je cherche la tombe d'un petit garçon du nom de John Shepard. Dans cette allée, un peu plus loin. Merci. Ok, donc je suis dans la bonne allée. Donc faut que j'aille juste plus loin. Non plus. Là. Hé, hey, Lorraine, je l'ai trouvé. Les fleurs sont récentes. On dirait que quelqu'un entretient encore la tombe. Des origamis. Ça, c'est une sacrée coïncidence. Il n'y avait rien d'autre. Un pauvre gosse. Il est bien connu, ce gamin. Vous connaissiez John Shepard? J'ai travaillé dans ce cimetière presque toute ma vie. Je me souviens de ce qui s'est passé. C'était en 1977, en octobre, je crois. Foutez-moi le temps d'ici! Je veux plus vous voir, sale petit cafard! Vous reviendrez quand votre père sera rentré du travail! Il est encore bourré. Qu'est-ce qu'on va faire? Il pleut des cordes. On va être trempés si on passe la journée dehors. Au moins, on se fera pas cogner. Ça n'a jamais tué personne, un peu de pluie. Allez, viens, on va jouer! T'es même pas capable de me suivre. On fiche qu'il nous ait mis dehors. Quand il est comme ça, je préfère encore être sous la pluie. John a raison. On va pas rester toute la journée devant la porte. Autant aller jouer. Maman rentrera pas du travail avant ce soir. Si elle avait été là, elle ne l'aurait pas laissé nous traiter comme ça. Ok, c'est parti. On va où, là? John m'attend pour me faire la courte échelle. Je vais le rejoindre. C'est quoi, c'est là? Ouais.
Allez, c'est parti, John. Tu vas aller sur Atlantis. Dans la galaxie d'Andromède. Non, pas Andromède. Bah si, je crois. Target d'Atlantis, je sais plus où ça se passe déjà. Oula. Tout doucement. J'arrive. Bah attends, je suis allé doucement pourtant. Attends, je remonte pas. Faut peut-être que je reste comme ça là. C'est pas vrai. T'es bah. Vraiment trop lent. Je comprends pas. Et j'avance, hein. Je comprends pas là, hein. Je comprends toujours pas. Qu'est-ce que tu fais ? Applique ou quoi ? Ah d'accord. Fallait que j'aille plus vite en fait. John est passé par ce gros tuyau. Alors, tu viens ? J'arrive. John va trop vite. Il veut jamais m'attendre. Le chantier est abandonné. Ça fait un super terrain de jeu. Attends, je vais voir là-bas d'abord. Non, y'a rien. Aïe. Je pensais qu'en lâchant, bah, il se mettrait juste normal, quoi. Dans la bonne position. Ah non, faudrait s'appuyer. Attention. C'est parti. Ta faute. T'as qu'à pas aller trop vite. Alors, tu viens ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu rappliques ou quoi ? Alors, attends. Oula. Ils ont de la force, hein. Je crois que John est descendu par les escaliers. Attends, il est là-bas. Voilà. C'est parti. Si c'est trop dur pour toi, t'as qu'à abandonner. N'importe quoi. Tu vas voir si c'est trop dur pour moi. Allez, tu peux le faire. C'est bon ? John, attends-moi ! Même pas peur. Faut fastoche son parcours. Oh.
Ah ta 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 ta. Arrête de faire l'avion, s'il te plaît. Je sais que t'as pas trop le choix, mais quand même. Voilà. Yeah. Allez, à ton tour maintenant. Je vais pas me dégonfler. Si mon frère l'a fait, je peux le faire aussi. Mince, il est fou. On va se casser la figure avec ses bêtises. Magne, je t'attends. Attention. Let's go. Attends, non c'est bon. Je vais voir si il allait dire quelque chose. Attention, let's go. Jusqu'à 20 et tu essaies de me retrouver, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dans l'ordre. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok. Il est passé où? Attends, attends, attends. Pas ici. Peut-être là-bas, c'est écrit. Hein. C'est la voix de John. Là. John! Mon pied est coincé. Attends, je vais te tirer de là. Non, non, je viens de faire normal. Hein. Ah! Attends. Allez! On peut pas le sauver de toute façon. Puisqu'il est mort. Trouvez autre chose. Bouge pas, John. Je vais chercher de l'aide, on va te tirer de là. Allez, dépêche. Le niveau de l'eau est en train de monter. Je reviens tout de suite. Mais le pauvre gamin n'a jamais trouvé d'aide. Et son frère est mort noyé dans ce conduit rempli d'eau de pluie. Et le frère de John, qu'est-ce qu'il est devenu? On m'a dit qu'il avait été retiré de la garde de ses parents. Il a été adopté, il me semble. Il faut que je rentre, maintenant. Je crois qu'un orage se prépare. Bon, ce sera l'épisode le plus long. Il faut que je fasse plus court, parce que ça fait un peu trop long quand même. Ça alors, quelle histoire horrible! John Shepard est mort noyé dans de l'eau de pluie en tenant la main de son frère. Vous pensez que son frère serait le tueur aux origamis? Venez, retournons dans la voiture. Ok. Bah, moi, en tout cas, c'est ici que je vais m'arrêter. Hein. J'espère que cet épisode vous aura plu. Likez la vidéo avec un gros pouce bleu. Partagez avec vos amis. Laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve donc dans le prochain épisode avec Shelby et Lorraine. Ciao! Because I know I'll kill my enemies when they come.